prière pour que la parole de Dieu s'enracine davantage dans nos cœurs et produise de fruits, que ça ne soit pas seulement une parole qui a été prêchée pour quelqu'un d'autre. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce de faire de ce moment une priorité. Je vous assure, c'est une grâce de se précipiter, de se dire partout où je suis. Il est temps pour le temps de la prière. I don't care qu'est-ce que j'ai prévu. Ne me donnez pas quelque chose entre midi et midi 30. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une grâce d'avoir cette soif, cette joie d'être dans la présence de Dieu. Alors abandonnons-nous complètement entre les mains de Dieu. Disons à notre Dieu maintenant, c'est toi ma priorité. Voilà pourquoi je suis là en ce temps de midi. Je ne vois pas ce qui est plus important, ce qui doit me préoccuper plus que être dans ta présence en ce moment. Merci pour les privilèges que tu me donnes. Abandonnons-nous complètement, bien-aimés dans le Seigneur. Louons son nom de nous avoir donné ce moment, de nous avoir choisi, de nous avoir aimé, de nous avoir mis à part. Bien-aimés, élevons nos voix. Merci, Papa. Merci, éternel Dieu des armées. Merci, Père Céleste. Merci, mon Dieu. Lorsque cette préoccupation est en nous, lorsque cette soif, Seigneur Tout-Puissant, nous dérange, lorsque cet amour brûle en nous, mon Dieu, mon roi, lorsque cette envie de nous présenter devant toi brûle en nous, Papa, lorsque ton esprit nous réveille à 5 heures du matin, lorsque ton esprit nous dit qu'il est temps de parler, il est temps de nous rapprocher de toi, c'est une grâce, Papa. Nous comprenons dans nos cœurs que tu nous as mis à part. Yahweh, tu nous as mis à part. Tu nous as mis à part, tu nous as séparés des besoins de ce monde, tu nous as séparés des besoins de la chair. Papa, en ce moment, nous sommes venus te dire merci. Merci, éternel Dieu des armées. Merci parce qu'il n'y a pas plus de priorité que toi, mon Dieu. Il n'y en a pas, éternel Dieu des armées. Seigneur, nous voici encore devant toi. Yahweh, nous te disons merci. Merci parce que, mon Dieu, mon roi, tu nous choisis, Papa, au milieu de la multitude, mon Dieu, mon roi. Tu n'as pas regardé nos faiblesses. Tu n'as pas regardé nos limites. Tu nous aimes tels que nous sommes. Tu nous amènes vers toi, oh mon Dieu, mon roi. Et tu nous modèles selon ton plan. Parce que nous sommes seulement de l'argile entre tes mains. Tu es notre potier, mon Dieu, mon roi. Bien, nous venons te dire merci. Merci, Papa. Merci, Jéhovah. Merci de nous réveiller ce matin. Bien, béni soit ton nom, mon Dieu, mon roi. D'avoir cheminé avec nous jusqu'en ce temps de midi. Merci de nous avoir protégés, d'avoir protégé nos bien-aimés. Papa, nous te disons merci. Que ton seul nom soit glorifié. Nous t'abandonnons nos cœurs en ce moment parce que toi, tu n'habites pas entre quatre murs. Tu n'habites pas, mon Dieu, mon roi. Oh Yahweh, sous un toit, mon Dieu. Tu habites dans nos cœurs. Père Céleste, nous ouvrons nos cœurs, Papa. Prends ta place, mon Dieu, mon roi. Pendant que nous sommes réunis en ce moment, en communion d'esprit au éternel Dieu, prends ta place, Papa. Manifeste ta grandeur, ô éternel Dieu des armées. Nous t'abandonnons tout entre tes saintes mains. Nous nous abandonnons complètement entre tes saintes mains. Que ton seul nom soit élevé. Que l'homme que je suis, mon Dieu, mon roi, ô Yahweh, puisse diminuer, Papa. Et que ton seul nom soit élevé au-dessus de tout autre nom. Dans le nom puissant de Jésus, du début jusqu'à la fin de ce moment, que nous nous sommes réunis pour la gloire de ton nom. Sois béni, Papa. Sois adoré, Seigneur. Sois élevé, sois magnifié, Dieu d'amour et Dieu de bonté. Nous avons besoin de toi plus que jamais en ce moment. Dans le nom puissant de Jésus, ô Yahweh, que ta volonté soit faite. Que ta volonté se manifeste. Que ta volonté, ô mon Dieu, mon roi, prenne contrôle. Ô Yahweh, nous avons besoin de toi en ce moment. Amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Saint-Esprit prenne contrôle. Que le Saint-Esprit contrôle ce moment de prière. Que le Saint-Esprit prenne possession de nos pensées. Que le Saint-Esprit prenne possession de nos cœurs, de nos oreilles, de nos yeux. Afin que nous ne puissions pas être en train de prier et être distraits. Que le Saint-Esprit prenne complètement contrôle de nos maisons, des endroits dans lesquels nous nous trouvons à ce moment. Partout où nous sommes, nous élevons nos voix. Nous demandons le contrôle du Saint-Esprit. Nous demandons le contrôle du Saint-Esprit. Alléluia. Éternel Dieu des armées, nous sommes là devant toi en ce temps de midi, pas au rendez-vous d'un homme. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Yahweh, nous te demandons, mon Dieu, mon roi,
Ô Esprit Saint de Dieu, contrôle, prends possession de nos cœurs, de nos pensées. Inonde nos pensées, qu'il n'y ait pas d'espace pour l'inquiétude, pour la distraction, pour le doute. Qu'il n'y ait pas, Seigneur, qu'il n'y ait pas cet Esprit de Dieu en ce moment, que ton feu embrase tout endroit où nous nous trouvons en ce moment. Parce que ce n'est pas le corps qui nous réunit en ce temps de midi. C'est toi qui nous réunis. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui as mis en nous le vouloir et le faire. Pour qu'en ce moment, nous puissions encore entrer dans la présence de notre Dieu. C'est toi qui nous as mis à part en ce moment. C'est toi qui nous as rappelé de tout arrêter pour entrer dans ta présence. De te choisir, toi, en ce moment. Oh, nous avons besoin de toi plus que jamais. Que nos bouches parlent des paroles inspirées par ta puissance. Que nos prières montent vers notre Dieu, selon la volonté de notre Dieu, ô intercesseur par excellence. Nous avons besoin de toi, dans le nom puissant de Jésus. Que toi-même, tu puisses nous convaincre du péché, quand bien même nous essayons de nous justifier. Ô Seigneur, nous avons besoin de toi plus que jamais. Les jours sont mauvais. Yahweh, les temps sont Yahweh, les temps. Nous voulons racheter ce temps. Nous ne voulons pas être distraits. Nous avons besoin de toi plus que jamais, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici encore en ce temps de midi. C'est encore pour prier sur la parole de Dieu. Ça nous permet encore de réécouter la parole de Dieu et de nous dire, oh mon Dieu, merci de m'avoir rappelé cela. Parce que les préoccupations de ce monde m'avaient empêché de comprendre ce que tu viens encore de dire dans ta parole. Bien-aimés, écoutons la parole et partageons la parole. Nous voulons prier en ce temps de midi. Papa a dit attendre. Et il a dit garder silence. Garder silence. Bien-aimés, c'est ce que nous voulons prier. Aujourd'hui, où c'est difficile. Qui peut contrôler la langue? On dit que c'est un petit organe dans notre bouche, la Bible dit, mais c'est un feu dévorant. Ce petit organe dans notre bouche, bien-aimés, nous voulons prier en cet heure de midi. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes rencontrés maintenant. Partout où nous sommes, nous voulons lire la parole de Dieu et nous entrons en hier, nous lisons dans le livre de Lamentations, à son troisième chapitre. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu, lorsqu'elle descend, elle descend pour nous, pas pour quelqu'un d'autre. Elle descend pour que nous puissions nous rapprocher davantage de notre Dieu, pas nous éloigner. Nous lisons dans le livre de Lamentations, chapitre 3, je veux commencer au 25e verset. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. J'aime ce mot-là. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui les frappe. Il se rassasiera de propre. Car le Seigneur ne rejette pas toujours. Bien-aimé dans le Seigneur, la bouche, la langue. La parole de Dieu ici, lorsque papa a parlé de garder le silence, je me suis dit, c'est dur, mais c'est possible. C'est possible seulement lorsque nous mettrons notre espérance dans notre Dieu. Lorsque nous rentrons chez lui pour lui dire, justifie-moi. Lorsque nous lui faisons confiance, c'est possible. C'est dur lorsque nous voulons contrôler nous-mêmes. Lorsque nous voulons nous venger nous-mêmes. Lorsque nous voulons nous justifier nous-mêmes. Famille des enfants de Dieu, il y a des moments où Dieu nous impose les silences. Et le moment où Dieu dit parle, nous ne devons pas être dans la confusion. Il y a des moments où Dieu nous donne des rêves.
Ce n'est pas pour que nous allions vite dire, j'ai rêvé, tu es sorcier. J'ai rêvé, non. Parfois, Dieu dit, prie pour cela. C'est la raison pour laquelle je te donne ce rêve. Famille des enfants de Dieu, il y a des moments où Dieu nous fait passer dans son école, où nous devons fermer la bouche. Je ne pense pas qu'un élève dans la classe qui parle tout le temps comprendra ce que le professeur enseigne. L'école de Dieu est longue, mais elle est la meilleure. Mais lorsque Dieu met en nous un don spirituel et qu'il est en train de nous modeler, nous cherchons à dire à tout le monde. Nous cherchons à être l'égal de quelqu'un, de quelque chose. Nous cherchons à prouver à tout le monde que nous avons un don de Dieu. Non. Famille des enfants de Dieu, Dieu nous forme. Et dans la classe, on se tait. On écoute l'enseignant. Et on écoute avec attention pour passer l'examen. Famille des enfants de Dieu, nous voulons prier. Nous sommes tombés dans les pièges plusieurs fois. Je vois quelque chose, je dois en parler. Je passe dans une situation difficile, je dois parler. Je manque à manger chez moi, je dois parler. Je manque de l'argent, je dois parler. Je suis fâché contre quelqu'un, je dois parler. Quelqu'un a blessé mon cœur, je dois parler. Je n'aime pas ce que les pasteurs font, je dois parler. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons élever nos voix. Que nos bouches se ferment, comme papa a dit. Que nous gardons silence devant l'Éternel. Nous venons de voir dans la parole de Dieu que Dieu parfois nous impose ce silence-là et nous refusons. Pour nous, pour le bien-aimé que Dieu a mis dans nos vies, pour notre église. Parfois, il ne faut pas parler vite. Il faut attendre que Dieu nous confirme que c'est le temps de parler. Élevons nos voix. Prions le Seigneur. Papa, nous voici devant toi. Yahweh, le péché de la langue. Seigneur, le péché de la bouche. Yahweh, nous voici devant toi en ce temps de midi. Éternel Dieu des armées, nous avons péché contre toi. Cette bouche. Parce que nous avons péché contre toi Et cette bouche me dit mon grand.
éduque le Seigneur, éduque ton Église, ta part, éduque Seigneur, aide-nous à rester prêts. Papa, tu viens de nous dire dans ta parole. Nous sommes là. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des moments où on parle trop, parce que de nature, nous parlons beaucoup. Oui, c'est normal. Il y a des gens de nature calme, silencieux, et il y a des gens de nature bavarde. Mais lorsque nous venons au Seigneur, Dieu tourne. Nous devenons une nouvelle créature. On dit que les choses anciennes sont passées. Quand nous devenons au Seigneur, nous bavardons pour le Seigneur. C'est-à-dire, nous parlons de l'Évangile. J'aimerais être bavarde, hein, mais parler de Jésus. J'aimerais être bavarde, peuple de Dieu, et dire que Jésus t'aime, mon frère, moi aussi je t'aime. Tu m'as giflé, mais je t'aime, Jésus t'aime. J'aimerais être bavarde, ô famille des enfants de Dieu, et faire de toutes les nations des disciples, et dire, rachetez le temps, les jours sont mauvais. Ne ratez pas le ciel. Ne pas être bavard pour me plaindre et encore me plaindre. Le Seigneur a dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, attendre en silence. Regardez ce que papa nous a enseigné les dimanches. Attendre, fermer la bouche. Et l'Esprit de Dieu nous amène encore dans sa parole ce matin dans Lamentations 3. Il parle de l'attente et il parle du silence. Bien-aimés, nous voulons prier. Qu'est-ce qui nous empêche de garder le silence?
Parce que nous sommes fatigués de dire le diable m'a trompé. Oui, nous savons que le diable existe, mais Dieu existe avant le diable. Si le diable trompe, Dieu influence, Dieu change, Dieu transforme. C'est à nous de choisir. Nous avons élevé nos voix. Pour nous bien-aimés, pour nos enfants, dans le nom de Jésus, cette bouche qui ne sait pas se fermer, cette personne qui, chaque fois, il faut qu'elle parle, même quand ce n'est pas le moment ni le lieu. La vérité, elle est bonne à dire. J'ai entendu dire que la vérité n'est pas bonne à dire. Elle est bonne à dire. Mais ça dépend de quand, comment, où. Selon le plan de Dieu, élevons nos voix. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Papa, je prie pour moi. Papa, je prie pour mes enfants. Papa, je prie pour mes frères et mes sœurs. Cette chose qui les empêche de garder le silence. Papa, je prie pour ton Église. Cette chose, quelle que soit son origine, quel que soit son nom, parce que nous glorifions beaucoup l'ennemi, en parlant toujours de lui, qu'il nous trompe, en oubliant que nous avons le pouvoir de résister, de dire non, pour qu'il fuit loin de nous. Papa, nous prions en cet temps de midi. Impose le silence. Impose-moi le silence. Que je choisisse la voie du silence. Papa, je prie pour nos enfants. Impose, mon Dieu, qu'ils choisissent la voie du silence. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une force, Papa. C'est une force, Elohim Adonai. El Shaddai, c'est une force. Impose, Papa. Impose, Éternel Dieu des armées. Ta parole est venue. Elle n'est pas venue par hasard. Seigneur, lorsque nous ne pouvons pas nous taire, lorsque nous ne savons pas nous taire, oh mon Dieu, mon roi, nous détruisons. Seigneur, nous ne bâtissons pas. Seigneur, nous te demandons, mon Dieu, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Éternel. Que nous puissions nous débarrasser de cette chose. Cette chose, Yahweh, qui empêche mon Dieu, que ton peuple puisse se taire. Yahweh, au nom puissant de Jésus, Yahweh, nous demandons le discernement. Éternel Dieu des armées, nous sommes devant toi en ce moment. Donne le discernement, mon Dieu, mon roi. Donne le discernement, Papa, pour que nous puissions comprendre quand est-ce qu'il faut parler, quand est-ce qu'il faut nous taire. Dieu de miséricorde et Dieu de grâce. Yahweh, cette langue, je sais que ta parole dit qu'elle ne peut la dompter. Cette langue, je sais que ta parole dit c'était mal colpée, réprimée, car elle est pleine d'un venin mortel. Mon Dieu, mais nous venons à toi. Nous venons à toi parce que toi seul es capable. Yahweh, si l'homme ne peut pas dompter la langue, toi tu es capable, mon Dieu, mon roi. Toi tu es capable, Papa, d'éteindre ce feu. Ce feu qui est la langue. Ce feu qui est la langue. C'est ton vin qui est placé dans nos bouches, qui suit tout notre corps. Yahweh, qui enflamme, Seigneur, toute notre vie. Toi, tu es capable, mon Dieu, mon roi. C'est pourquoi nous prions à cet temps de midi, Yahweh. Parce que c'est plus fort que nous. La chair fait bataille à l'esprit. Parfois, ça fait tellement mal que nous devons parler, Papa. Yahweh, nous te demandons, mon Dieu, mon roi. Seigneur, c'est toi. Si l'homme ne peut, toi, tu peux. Si l'homme ne peut, toi, tu peux. Voilà pourquoi tu as envoyé ta parole de la bouche de ton serviteur. Apprends-nous, mon Dieu, nous sommes venus à ton école. Nous sommes venus te demander, mon Dieu, mon roi. Donne à chaque personne que tu as mis à côté de nous le discernement pour comprendre est-ce que c'est le moment de parler. Est-ce que c'est l'endroit pour parler? Est-ce que c'est vraiment l'endroit? Est-ce que c'est Dieu qui veut que je parle? Seigneur, ouvre mes oreilles spirituelles. Papa, ouvre les oreilles de nos enfants.
les membres de nos ta belle chérie, l'Église est un enfant de Dieu. Nous avons entendu la tribune. Éternel Dieu des armées, que nous puissions entendre que cette voix vient de Dieu. Est-ce que c'est mon Dieu qui veut que je parle? Je sais que c'est ta parole qui a dit, personne ne peut réprimer la langue, elle est pleine de bénédiction. Mais je sais aussi que toi, tu es le Dieu chez qui il n'y a pas d'impossible, éternel Dieu des armées. Nous te donnons notre langue. Papa, Yahweh, je t'abandonne ma langue, Dieu, mon contrôle, contrôle ma langue, car c'est l'abondance de ce cœur que ma bouche parle. Qu'est-ce qui sort, mon Dieu, mon roi? Quand est-ce que ça sort, papa? Et comment est-ce que ça sort, éternel Dieu des armées? Nous blessons les cœurs. Nous détruisons les vies par cette langue, papa. Pardon, aide-nous, Seigneur. Nous séparons les gens par cette langue. Nous décourageons les âmes faibles qui viennent à toi, mon Dieu, mon roi. Par cette langue, papa, nous détruisons le foyer par cette langue. Au lieu de gagner pour toi, Seigneur, les âmes, oh mon Dieu, mon roi, pour les saluts, la vie éternelle, nous les éloignons de notre bergerie par cette langue, Yahweh. Oh papa, nous voici devant toi, mon Dieu. Nous te disons merci parce que tu nous as donné ta parole. Dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons clôturer en disant merci à Dieu pour Papa, pour la puissance de la parole. C'est un don de Dieu pour nous. Bien-aimés, j'ai dit toujours à tout le monde que quelqu'un est venu d'un autre état pour nous dire à nous, les enfants de la maison, que notre Papa est une bibliothèque spirituelle. Ce jour-là, j'ai regardé l'homme qui était assis à côté de moi. J'ai dit, waouh, how come nobody here says this? Bien-aimés dans le Seigneur, parce que vous avez un don, vous devez témoigner que vous avez un don de Dieu. Nous voulons terminer et abandonner le reste de cette journée entre les mains de Dieu et faire l'exercice de la langue. Mon exercice, c'est de compter jusqu'à 10 avant de parler. Élevons nos voix, prions au Seigneur. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci pour ton serviteur. Merci pour la bénédiction que tu nous as donnée. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci parce que nous voulons commencer cet exercice. Depuis le dimanche, aide-nous. Que ce soit au téléphone, que ce soit dans n'importe quelle conversation. Aide-nous à faire cet exercice. Sans toi, nous ne pouvons pas. Que ce soit dans nos familles, aide-nous, Papa. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Yahweh. Aide-nous, Papa. Manifeste ta volonté sur la vie de ton serviteur. De la bergerie que tu lui as confiée. Pour qu'aucune de ses familles ne s'égare. Que ton Seigneur soit confié à travers ta parole. Dans le nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Nous glorifions le Seigneur pour la parole et l'exercice a déjà commencé pour la langue et nous savons que Dieu nous donne la victoire. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen, amen.